Il est passé une fois depuis qu'on est là, nous depuis 85, on ne l'a jamais vu. Hein, donc, mais à mon avis, il n'est pas dû passer beaucoup. Hein. Ouais. Pourtant, le fion, c'est connu. Ouais. Certainement sur fion. Ouais. Et vous êtes passionné de cyclisme ? Pour plus que ça, j'aime bien, c'est tout. Ouais. Puis il faut en profiter. Oui, enfin, un peu de vélo, mais on profite surtout que ça passe ici. Voilà. Mais ça va passer très rapidement. Très rapidement. Ouais. C'est ah oui, malheureusement, hein, il parle passe vite. Puis là, dans le virage, j'espère qu'il n'y aura pas de chute, hein, quand même. Là, non. Ouais, ça, c'est... Ouais. C'est pas un peu dommage que ça soit aussi court ? Oui, c'est dommage, oui, peut-être, oui. Ouais. Non, parce qu'on regarde la télévision. Après, on va à la télé revoir. Quand ils seront à l'entrée du village, enfin, à un kilomètre, ben, on aura juste à venir d'ici à là, et puis... Puis après, on sera tellement fatigué qu'on va rentrer, puis on va y boire un coup. On va voir le maillot jaune, hein, le français, le maillot jaune. Tu vas le voir ? Ouais. Oh, bah, on va avoir une tache jaune quand même. Tu vas dire, tiens, c'est lui, mais c'est tout. Il va tellement passer vite que... Il sera dans le peloton du... Oui, il sera dans le peloton, certainement. Ils seront encore en train de discuter, seulement 40 km au début. Ouais. Ça fait 30 ans qu'on est là, c'est la première fois que le Tour de France passe chez nous. Alors on va quand même insister puis encourager les coureurs qui le méritent. Quoi qu'aujourd'hui ça va, ils ont un beau temps hein, quand même. Du vent, du soleil, c'est bien. Et pourquoi le Tour de France est si mythique ? Parce que moi j'ai toujours connu ça, mes parents ont regardé, ils nous ont fait regarder. Notre famille, on est 5 garçons et 4 filles, et on a toujours regardé le Tour de France. On est tous passionnés par le Tour de France. Et le tennis. Et le tennis aussi. Hein. Mais le Tour de France, c'est mythique. C'est beau. Hein. Moi j'aime bien. Moi. Et j'ai fait du vélo. Hein. Tous les week-ends, je faisais 150 km. Tous les week-ends, et la semaine, je faisais 35, je m'entraînais tous les deux jours. C'est pour ça que j'aime bien le vélo. Voilà. Et le plus beau souvenir du Tour de France, personnellement ? Ah, c'est la chute de Bernard Hinault qui a fini l'étape en son. Là. C'était le courage incroyable. Et c'est vrai que les coureurs ont du courage. On dit plein de choses qu'ils se dopent tout seuls, mais ils ont quand même de... C'est pas des surhumains, on va pas dire, mais ils se battent quand même pour quelque chose. Très bien. Et à part ça, vous êtes passionné par les fleurs. Maintenant, je suis en retraite, je profite de ma petite retraite et je fais les fleurs. Bon, très bien. Nous, on regarde quoi, l'appareil ? Voilà. Il y a l'image qui sort. Et ça va prendre à peu près une minute. Ok. Elle sort où, la photo ? Vous connaissez pas ? Non. C'est un carré blanc, vous m'avez fait un rectangle blanc. Ça va ressortir. Non, non. Je ne vois rien. Tu m'avais dit une minute. Si. Ah si, ça y est, ça apparaît. Oh là, c'est beau ça. C'est bien la modernisation. Hein. Hop, elle est nette.
Non, elle est belle, là. C'est un beau souvenir, merci. Ah oui, c'est gentil. Et on vous prend souvent en photo ? Non, moi pas, j'aime pas être prise en photo. Alors, vous avez été une exception ? Oui. Ah oui, là c'est vraiment parce une exception. Parce que je me suis un petit peu avec lui. D'accord. Elle est belle, on va la mettre avec les enfants. Vous avez... Non, j'ai... Ah ben non, vous pouvez enregistrer, vous ? La télé. La télé ? Oui. Non. Non. Parce que moi j'ai enregistré pour sur la 2 c'est en direct. Sur la 3 c'est en direct. Et puis sur la 2 c'est après-midi. Puis après c'est la 2, c'est. Mais il passe là, pourquoi vous l'enregistrez autant de le voir ? Non, en vrai. Oui, d'accord, mais après c'est pour comment. Et c'était le nom, ils vont faire une chute devant vous. C'est rigolo, lui. Hein. Ils vont nous faire une chute parce qu'ils vont vous voir. Vous allez voir. Ils vont s'arrêter. Ah, oui, Madame Raffler. Ça va les troubler. Ça va les troubler. Non, mais le petit copain, ça sonne de bonheur. Je l'ai fait ce matin, voilà. Bonjour du Fion, parce que c'est la vallée du Fion qui coule ici, la rivière est juste derrière. Et donc voilà, j'avais installé ma petite pancarte. Bonjour du Fion. C'est important pour nous le Tour de France. Ça met aussi en beauté notre village. Donc c'est important. Répétition générale ? Bah ouais, non, mais là oui, on attend, mais il y a déjà des caravanes qui viennent de passer. Enfin, on n'est pas que deux. Hein. On est d'accord. Il y a des années qui vont arriver, et donc du coup, on sera plus en force. Vous seriez combien ? 10. Ouais, 10, je crois. Très bien. Ouais. Alors ? Oui. Faut venir ici ? On va faire l'inverse ? Ouais. On va mettre de la musique et tout. Chouette. Ouais. Attends, je suis où ? Vas-y. Bon. En fait, c'est l'association qui gère le Tour de France qui décide du parcours et qui ensuite informe le village qu'il va traverser, la compétition va traverser le village. Donc voilà, après, on se met en ordre de marche, on est fiers de les accueillir et donc on essaie de décorer le village et puis de créer une ambiance autour de ça. Mais vous savez pas pourquoi le Tour de France a choisi Saint-Arme ? Non, je pense que c'est juste une question purement géographique. Entre deux points sur une carte, Saint-Arme s'est trouvé au milieu et puis voilà, on les a accueillis. Ouais.
le maillot à pois. On a les éclairs à pois. Le maillot jaune. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ? On va les offrir aux anciens. Ah, voilà, qui sont venus pique-niquer sous la halle. Voilà, et on a mis les éclairs aux couleurs de la journée. Voilà. Vous êtes gâtés, les anciens. Et puis on a les habitants qui sont aux couleurs de la journée aussi, donc faut pas qu'on les mélange, quoi. Faut pas qu'on mange l'habitant. C'est la première fois, peut-être la dernière fois que le tour va venir ici. Et donc on travaille, si vous préférez, là, un petit peu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on est dans la précipitation, un petit peu dans le stress. Donc habituellement, c'est vrai qu'on va vendre 6 plaques de viennoiserie, entre 6 et 8 plaques. Là, aujourd'hui, ben, on en a vendu 15-17 plaques. Vous voyez, on est au double. Les pâtés, habituellement, voilà, on en vend une vingtaine par jour. Là, on en a vendu une soixantaine. Donc c'est, enfin, et encore, on n'est que le début. Hein, il est 11h moins 20. Donc... là, j'ai mon apprenti Fontin qui est là, qui est en train de faire le pain, donc un peu en dernière minute, parce que c'était pas prévu. Et mon fils, alors lui, il n'est pas boulanger, hein, lui, il veut faire gendarme, et donc il nous aide un petit peu, bon, c'est les vacances, donc il nous aide un petit peu dans la précipitation, quoi, si vous voulez. En dessert, vous n'avez pas de chocolat. C'est les jaunes aussi. C'est les jaunes. Allez, je vais prendre donc un chocolat et une part de flan. D'accord. Et je vais demander une petite natte. Très bien. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, oui. Mais c'est bon, on va prendre. Merci. Vous êtes sûr? Oui, je non, c'est bon, ça va. Ah, on ne sait pas. Subvention FNP. Je prendrai une subvention, on ne sait pas. Tu veux un dessert? Ouais. Vous avez un dessert dans ce qu'on a pris hein, tout à l'heure. Il y a un repas dans le repas. Tout à l'heure, quand les grands vont passer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer maintenant ici là, ou... Ah bah là, toute la journée, je suis ici. Hein, de toute façon, c'est clair et net. Hein. Vous allez regarder par là? Ah oui, je vais regarder quand même. Oui, on va faire une petite pause quand même. Ah oui, c'est sûr. Oui, on va faire une pause quand même. Allez, c'est bon, tu remettras après. Donc ça, c'est mon apprenti. Bon, ça pourrait être mon gamin aussi, mais bon. Bonjour. Hey, bonjour, tu me l'as fait des doigts. Eh voilà, tout simplement. Voilà. Et voilà, merci, c'est gentil. Faut attendre okay. Ouais, ça marche. Minutes. Et bah ça marche. Ah bah oui, c'est mieux ça. Hey. C'est gentil. On va accrocher ça. Oui, ça existe toujours, mine de rien. Ah. Ça c'est une chanson. Le truc, c'est une chanson. Tu vas pas.
Allez, on va rentrer, monsieur. Vas-y, on va. Vous montrez. Non, je vais vous montrer. C'est joli comme ça. Ouais. Oh, my God.
été le passage du Tour de France? Nickel. Super. Devant chez nous, on pouvait pas faire mieux. Mais c'est tout rapide. Ah bah c'est trop rapide, oui. Surtout pour les enfants, parce que les enfants se sont demandé où s'est passé les vélos. Mais c'est comme ça. Bah c'est le Tour de France, ouais. Bah puis surtout ici, hein. C'est tout plat, donc ça défile vite. Hein. Et alors le mythe du Tour de France, comment l'expliquer à quelqu'un qui le connaît pas? Eh ben, déjà c'est la première fois qu'il passe ici, en 100 ans. Donc on était tous réunis pour faire ça. Et puis bah, c'est spectaculaire quoi, c'est sympa de voir ça, et puis c'est une belle ambiance. On voit très peu autant de monde dans le village qu'un jour comme ça quoi. La particularité de Saint-Amand-sur-Fion, c'est quoi? Ah ben déjà c'est le nom du village. Hein, Saint-Amand-sur-Fion, il est là le fion. Le revoir un coup quand même, parce que là, merci. À force il fait soif, moi il ne peut pas boire. Non bah il faut lui filer une paille. Il faut que j'aie une paille. On va l'encadrer celle-là. Oui, Axel, c'est le truc qui m'a mis là.